Les propagandistes russes ont montré pour la première fois l'utilisation du système 2S-1 VENA dans la guerre contre l'Ukraine. Il est entré en service dans les troupes aéroportées. Le système VENA est un mortier d'artillerie et d'obusier automoteur. Ce véhicule de combat a été conçu pour contrer les véhicules blindés occidentaux, notamment les chars allemands Leopard et les Tiefenbrenner Brahms américains. Le lanceur automoteur peut tirer à une distance allant jusqu'à 13 000 mètres. Le paquet de munitions comprend 70 cartouches de différents types. Il s'agit notamment de projectiles Kitolov 2 de haute précision. En plus du canon principal, le véhicule de combat est équipé d'une mitrailleuse de calibre 7,62 mm. La motorisation est représentée par un moteur polycarburant d'une capacité de 450 chevaux. Il permet au VENA d'atteindre une vitesse de 70 km. Le véhicule de combat est également capable de se déplacer sur l'eau à une vitesse allant jusqu'à 10 km. Son autonomie est de 500 km.